Bienvenue les gars, nouvelle petite vidéo sur StubbleGaze. Aujourd'hui on va tester les maps d'élimination. Oh là là, franchement je suis chaud patate parce que je vous en ai pas préparé une, deux ou trois, mais une quinzaine. On va s'affronter dessus, franchement ça va être trop bien. J'ai tout mon planning, mais si par contre j'arrive, enfin plutôt si je perds sur une des maps, ou en tout cas si j'arrive pas à les terminer, vous allez voir, eh ben je vais devoir acheter des petits skins dans la boutique. Bon, bien évidemment, toujours avec le code créateur Kefko, hein. Tous ceux qui l'ont pas mis, on le met maintenant. Il reste pendant 14 jours, donc là franchement t'as le temps et t'auras à chaque fois une chance de remporter 5000 gemmes. On commence avec la petite roue de la chance. À tout moment, les gars, on est gâtés dès le début. Ça serait incroyable. Bienvenue à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Oh ah. Vraiment de nouveau à 1 mm. Dégoûté. On a aussi des nouvelles roues. Bref, on va tourner tout ça un petit peu après pour tester quand même des nouveaux skins. Mais d'abord, on part sur des maps d'élimination. On a le boxeur en diamant parce que vous allez voir que tout simplement, il y a une map où on va pouvoir se mettre sur la tronche. Mais là, on va commencer plutôt tranquille, je pense, avec un petit classique. Bien sûr, toutes les maps, je n'y ai jamais joué. On va à chaque fois mettre la place, je pense, pour environ 4 joueurs. Comme ça, c'est pas trop le bordel non plus. Mais il y a quelques abonnés qui peuvent venir. Et déjà, bah, bienvenue à tous ceux qui sont là. Ah là là, petit live du coup, StubbleGaze. Ça fait un petit moment, je sais qu'il y en a beaucoup, ils demandaient ça. Et let's go, on est 4, on a Raoul avec nous. J'espère qu'il va pas m'éclater la tronche. Allez, c'est parti pour découvrir la première map. J'espère qu'elle va être vraiment bien parce que, comme je vous l'ai dit, première fois que j'y joue. Mais là, je sais que c'est du bloc dash. Attention, map créatif, VT dash. Oh là là, regardez-moi ça en dessous. Bon, j'ai commencé doucement. Je sais que c'est pas la meilleure map. Oh, quoi? Pourquoi on est à l'envers, les gars? N'importe quoi. Et là, ça commence. Ok, le but, c'est de ne pas mourir. Vous savez quoi? Si on a un qui meurt, il est éliminé directement. J'ai l'impression que déjà Raoul, ok, il connaît carrément les pro tips sur la map créatif. Et moi pour l'instant je suis passé partout. Bim, le gros punch. Ah mais ça part dans l'autre sens. Ça j'étais pas du tout au courant. Mais bienvenue à tous ceux qui sont là. Attendez, mais quand il meurt, tu arrives où? J'ai l'impression qu'il n'y a plus Raoul, les gars. Je pense qu'il est tombé dans le vide. Ok, la virgule. Ah. Ok, on respawn ici. Bon, je suis éliminé. Je sais pas où il est passé, Raoul, mais c'est pas grave. Heureusement, moi, je suis éliminé. Je sais pas ce qu'il fait, ce petit truc rebondisseur rouge. À mon avis, on va pouvoir se qualifier. Et ouais, déjà, première map, on va passer assez vite dessus, surtout sur des maps comme ça. Bon, je vais pas passer une heure à l'intérieur. Mais déjà, la map était vraiment cool. On lui donne combien, les gars? Franchement, un petit 7 sur 10, moi, je dirais. Mince, j'ai quitté. Bon, en vrai, c'est bien limite. Si quelqu'un meurt sur une map d'élimination, et ben vous quittez la game comme ça, voilà. Ça fait genre, c'est vraiment une map d'élimination. Et d'ailleurs, les maps d'élimination, ça va vraiment sortir un jour sur StubbleGaze. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations à ce sujet. Allez, on va enchaîner. On n'a pas que du bloc dash, hein. On a plein de maps différentes. En fait, moi, pour savoir, j'ai que les codes avec les petits noms. Et là, je vois par exemple, on aurait du Rush Hour. Oh. On va directement tester ça. Là par contre je peux mettre un petit peu plus de joueurs. On peut mettre 16 joueurs. Je vous laisse rejoindre, je pense que ça va être un gros bordel. Ou c'est quoi? Les gars, on va mettre 32 joueurs, voilà. On va mettre le nombre de joueurs maximum. Je vous laisse rejoindre. Ah attendez, par contre là je suis allé dans le mauvais truc. Par contre je crois qu'il y en a plein, du coup ils vont rejoindre la mauvaise map. Hop là. Je vous mets 32 joueurs, comme ça tout le monde peut venir. En tout cas une grande partie des personnes qui sont là aujourd'hui. C'est quoi le concept? Eh ben, je teste des maps d'élimination, mais en mode créatif. Et donc, on les découvre, on joue ensemble, on s'affronte. Ok, il y a du monde. Il y a du monde clairement ici. Ça rejoint, ça rejoint, ça rejoint. Let's go, let's go, let's go. Encore 5 petites faces. Ça va être abordé, hein. J'ai acheté 150 euros avec ton code créateur. Mais qu'est-ce que t'as acheté pour 150 euros sur StubbleGaze? Ok, let's go. Allez, on part avec 30 joueurs. Mais merci à tous ceux qui utilisent le code, ça me fait très plaisir et je vous prévois de grosses surprises à venir. Parce que je me suis dit, faut que je vous récompense. D'ailleurs aussi des concours sur Brawl Stars, bref ça arrive sur tous les jeux. Mais on n'est pas là pour parler de ça, encore un live, eh ben oui encore un live. Eh, moi j'aime bien faire des petits lives, ça me fait plaisir. Celui-là sera sûrement plus court que d'habitude. Mais dès qu'on a testé toutes les maps, il m'en reste plus d'une dizaine quand même. Bon, j'aimerais bien tomber sur la map, allez.
Parfois ça tourne pendant longtemps. Non, il y a eu un problème. Oh, je crois que la map Rush Hour, elle est cassée les gars. Peut-être c'est, elle est tellement bien la map qu'on peut pas y jouer. Vous savez quoi, on va mettre moins de joueurs. Hop, on va en mettre seulement 16. J'espère que ça va fonctionner hein. Oh là là. J'ai hâte d'être demain Kefko pour la suite de la bêta. Alors demain c'est pas la vidéo bêta qui sort, mais on va faire sûrement aujourd'hui, après ce live, le petit tournage de la bêta. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une découverte de la bêta où il y a du coup une nouvelle map avec des boss à la fin, mais on n'a pas pu trop les affronter. Mais on va le faire aujourd'hui. Bon, j'espère que la map fonctionne. Oui, Rush Hour. Oh là là, Rush Hour 2.0. Pour ceux qui ne savent pas, Rush Hour, c'est la map avec les petits camions volants. Et là, je crois qu'on doit d'abord monter. Oh là là, il y a trop de monde. Oh, tout le monde éjecte. Allez, c'est parti. Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai oublié qu'il y a les petites émotes. Vous savez quoi? Nous, on va partir sur la gauche. Oh, je vous jure qu'il y a une sorte d'effet d'accélération. C'est très bizarre. Mais je pense qu'il a caché un petit truc là. Ok, on avance. On est pas mal pour l'instant. Je crois que le but, c'est d'aller faire le top 1. Non. Oh, non, les gars, j'étais tellement bien. Oh, ça va. Il a mis des checkpoints. Bon, pas non plus les meilleurs checkpoints du monde, mais c'est mieux que rien. Ok, on avance. Je sais pas où j'étais mort avant. Bon, bah, du coup, le premier qui arrive à se qualifier, il va gagner. Mais sinon, la map Rush Hour est très, très cool. Bon, niveau décoration, on peut mieux faire. Hein, les camions, là, c'est des petits blocs roses. Oh, c'est bon, je suis encore vivant. À tout moment, par contre, on fait top 1. Hein. On est en train d'affronter le Polygon Guy juste à côté. Oh, les gars, c'est la course. Ah, il a sauté à côté. Incroyable. Yo, mon pigeon. Hello, hello. Comment ça va? On va pigeonner aussi aujourd'hui un petit peu. Vous savez quoi, là? Vu qu'on a fait un top 1, eh ben, on mérite de obtenir un nouveau petit skin. Voilà, on va se faire plaisir. Allez, bye, bye. On a fait le top 1 sur Rush Hour. Franchement, la map était très, très sympathique. Je pense que... Je sais pas si elle était mieux que le Block Dash. Mais les deux étaient bien. Allez, on enchaîne. Et là, on va partir du coup rapidement se prendre le petit skin. Alors, on a soit le skin mythique Goldless Magrusom, ou alors la roue cosmique où on peut avoir... où est-ce qu'il est le skin? Le Astral Pegasus, skin légendaire. On va skip directement les tirages, comme ça on perd pas trop de temps là-dessus. Oh, par contre frérot, on a chopé le skin touriste, mais moi j'aimerais plutôt la sorte de licorne orbite. Je vais le caquer 10 000 G, mais c'est bon, on l'a obtenu. Au moins ça. Par contre, j'ai fait un petit peu le bourrin. Mais oui, après, on aura une map d'élimination. Ça va être un match de boxe. Je vais inviter 32 abonnés et on va tous s'envoyer des gros punch dans la tronche. Ça, je pense que ça va être du n'importe quoi. On a ce skin aussi. On va le tester après, lui. Il est vraiment stylé. Ok, qu'est-ce qu'on se prend comme map maintenant? On aurait un petit... petit laser dash. Ça, c'est une map, je sais que je l'ai déjà faite. Attendez, je vais vous laisser rejoindre et là je peux mettre 32 joueurs. Parce que normalement, une fois que t'es éliminé, eh ben tu peux plus rejouer à la map. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Allez, je vous laisse rejoindre. Kefko, t'as les crampetés, toujours. Ça existe encore cette trend, les gars? J'ai l'impression que c'était il y a un moment ça, les crampetés. Oh là là. C'est moi où il a essayé d'écrire Kefko le noob là? Oh. Ok, c'est bon. On est plein, 32 joueurs. Il y en a juste un, il arrive pas à lancer la map. Ok, c'est bon, je l'ai enlevé et on est parti. Espérons que ça fonctionne. Mais j'espère que, ouais, ça vous plaît. Petit live découverte de map d'élimination. Je vous en ai vraiment préparé plein, donc ça va faire plaisir. Pourquoi tu m'as retiré de ton serveur Discord? Mais je t'ai pas retiré. J'ai rien fait moi ces temps. D'ailleurs, le serveur Discord, pour ceux qui sont dessus, lien en description, il est un petit peu inactif. Attendez, d'abord la map. Ah oui, bah oui, c'est Laser Dash. Il est un petit peu inactif, mais très bientôt, je vais le reprendre en main et il va vraiment totalement changer. Ok, on est surtout du coup sur la map Laser. Et celle-ci, on l'avait faite avec Graphix. Et une fois que tu te prends le laser et que tu tombes sur les côtés, plus aucun moyen de monter en haut. Donc là, c'est vraiment un laser, mais un petit peu différent. Et au début, on était un petit peu en mode, mais elle est facile cette map et tout. Vous allez voir, ça va très vite s'accélérer. Mais genre... Quand je dis s'accélérer, c'est vraiment, ça va devenir super dur. Oh, ah. Là, ça commence déjà à devenir bien plus dur. Par contre, c'est moi où ils ont trouvé un glitch, là. Oh. Oh. Et moi, je suis en train de me faire déglinguer, mais non. Mais je suis déjà éliminé en premier. Ils trichaient, les autres. Ils étaient tous au milieu. Je crois pas qu'il y a moyen de remonter. Attendez, à tout moment,
Non, je pense que franchement j'avais déjà tenté. Vraiment là c'est foutu, c'est un terrain glissant. C'est terminé pour nous. Bon, bah bien joué, malheureusement je suis mort quasiment premier. Bon ça va, il y a quand même quelques joueurs ici. Mais allez, malheureusement j'ai pas gagné sur cette map. Par contre le petit skin était bien sympathique. Si le live est flou, appuie une fois dessus. En haut à droite il y a le petit réglage et tu peux mettre en qualité maximale. Ok. On est bien. Est-ce que le son il est trop fort ou pas par contre? Qu'est-ce qu'on se fait? Là, j'ai une map, elle s'appelle Block Race. Je sais pas du tout ce que c'est ça. On va la tester. Hop là, une course sur Block Dash. Très bizarre. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Salut mon pigeon préféré. Hello, hello. Comment ça va? Petit live stumble guys, ça fait longtemps. Ok, oh là là, ça se remplit vite par contre les gars, vous êtes déterminés à jouer aujourd'hui. On n'entend pas le son de StumbleGuys. Ah ouais? Attendez, je vais le monter alors. Hop. Normalement c'est mieux là alors. Normalement on devrait mieux entendre le son. Ok, allez, on va voir ce que c'est cette map. Du coup là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Quand même un bloc dash à mon avis. Attention, map créatif. Block Race, oh, attendez, oh, oh, la ligne d'arrivée est incroyable. C'est une sorte de block dash, mais par contre, il faut avancer, voilà, ça vient pas contre toi. Ok, on a pris directement de l'avance dès le début, on est bien. On est très très bien les gars, on est tout devant, à tout moment c'est le top 1 là. Oh, ah, ah. Les gars, c'est pas facile, hein. Ça paraît peut-être assez simple. Mais je vous jure que c'est pas la map la plus facile. Oh, oh, par contre, j'ai mis une vitesse aux autres joueurs, là. Vraiment, je suis en train de les fumer. Ah, là, par contre, ça devient dur. Là, ça devient... Non! Il n'y a pas de checkpoint. Oh, oh non, alors là, c'est... Ça, c'est vraiment pas sympa. Hein. Oh, non! Aucun checkpoint. Ça, c'est les pires, ces maps. Ah! Les gars, je vais péter un plomb sur ce genre de map. Mets le son à fond. Toujours pas assez fort le son? Si toujours pas assez fort, je peux le monter. Quand je fais les petits sauts là sur StumbleGuys, vous entendez pas. Et on va essayer de... Hop, directement aller là. Ah! Aïe, aïe, aïe. Compliqué cette map. Très, très compliqué. En fait, non. Pas ultra compliqué. Mais étant donné qu'il n'y a pas de checkpoint... J'ai bien l'impression qu'on va être bloqué. Surtout que les abonnés, c'est un petit peu le bordel au début. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui avance. Est-ce qu'il y en a des au fond? Je vois personne. Oh, on est tous bloqués au début. Ah, mais laissez-moi tranquille. C'est pas possible. Ah, elle va me faire péter un plomb cette map. Hein. Je vous le dis, ma patience là, elle était... Franchement, elle était très très bien. J'étais pas du tout dans l'optique de m'énerver. Mais cette map me paraît un petit peu relou, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon avis, vous pouvez être d'accord avec moi là, hein. Ok. C'est quoi, on va y aller un petit peu plus doucement. Hop là. Ok. On est marre d'aller doucement. On trace. Allez, on avance. Ok. On est au même endroit qu'avant. Maintenant. Oh. Non. Mais non. Oh. Il a abusé là. Il m'a envoyé un punch. J'espère vraiment que, vous savez quoi, quelqu'un se qualifie sur cette map parce que là, j'en peux plus. Allez, vous savez quoi? Dernier essai. Si je meurs, j'abandonne. Là, sinon, passer une heure sur cette map. Pas sûr que ça va me faire du bien, là. Ok, on est pas mal. Si je meurs, les gars, je rage quitte. On est pas mal. Il n'y a pas un abonné pour m'attendre ici. On est bien. Mais là, je sais pas où aller, hein. Vraiment, c'est pas facile, là. Faut aller au milieu, mais waouh. Ok. Maintenant. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est fini cette map. Elle m'a saoulé, les gars. Non, 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 là, ça va 3 secondes. Elle est trop dure. Elle était bien, mais... C'est bon. On va essayer notre skin légendaire qu'on a débloqué. On va prendre le petit touriste. Et ouais, franchement, si vous faites des achats dans la boutique, vraiment, ça soutient énormément si vous mettez le code créateur Kifco. Que ça soit les offres ici. En plus, il y en a vraiment beaucoup de ces petites offres ou que ça soit là.
Merci à tous ceux qui le font, ça régale. Bon, on va essayer d'arrêter de perdre. Qu'est-ce qu'on se met comme map? Ok, alors là, on a une map qui s'appelle Tourne en rond, pas ouf. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord, on va voir. On va se mettre 32 joueurs. Allez, c'est parti, je vous laisse rejoindre. C'est quand que tu live du Stumble Guys? Mais les gars, oh. Encore, ok, quand je live du Brawl Star, il y en a des qui me disent ah, c'est quoi live Stumble Guys et tout. Mais là, on est en live Stumble Guys. Ou peut-être tu veux savoir si c'est chaque jeudi, chaque mardi que je fais un live Stumble Guys. Franchement, j'ai pas de planning, voilà. J'essaie de faire un live par jour. Quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai pas le temps, je ne le fais pas. Et là, c'est parti. Bah, hop, se remettre les cheveux, parfait. Et on est parti pour découvrir la map tournée en rond. J'ai pas du tout ce que c'est. Serveur Discord de Kefko, merci Raoul. Allez. S'il vous plaît. Oui, c'est bon. On va la voir. Qu'est-ce que c'est? Round on round. Oh. C'est quoi ça? On dirait limite un... Ok, on a notre nouveau skin. On a plein de polygones. Ah, je suis jaloux. Vous avez tous le polygone. Oh, faut se dépêcher là. Ah, attendez, je crois que si on meurt, par contre, c'est terminé. On peut plus revenir en arrière. Ok, et c'est quoi? Faut tenir, je pense, le plus longtemps possible. Ah. Je me suis pris les picos. Non, je me suis fait éliminer. Et du coup, je crois que c'est terminé pour nous, les gars. On a perdu. Oh là là, regardez, il y a la finale au milieu. Ils sont plus que trois. Qui va tenir le plus longtemps? Oh, elle s'est fait éjecter. Et je crois qu'il y avait le dernier joueur, le petit samouraï vert. Donc, regardez, il y a la ligne d'arrivée ici. Comment on se qualifie? On va essayer de se qualifier, les gars. Comment on fait? Oh, vous avez vu ce que j'ai vu, là? Vous avez vu ce que j'ai vu? On va tenter de le prendre. Mais bon, on meurt directement. Bon, de toute façon, on peut tout simplement quitter la game. Franchement, la map, je m'attendais à un truc pas ouf. Mais finalement, elle était vachement fun. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était rapide, mais c'était cool. Allez, on enchaîne sur la prochaine map. Ok, là, c'est apparemment une map solo. Donc, je vais la tester tout seul. Hop, c'est parti. J'ai, c'est écrit parcours laser. Alors là, on va voir ce que ça donne. Par contre, je crois qu'il y a carrément des travaux là, pas loin de chez moi. Est-ce que vous entendez quelque chose? J'espère pas. Tu pourras dire le code. Bah, du coup, les codes, vous les voyez à chaque fois à l'écran. C'est ça qui est bien. Parce que souvent, je vous donne des maps et j'oublie de vous donner les codes. Ouah, c'est quoi ça? C'est quoi ça comme map, les gars? J'ai vu beaucoup de laser là. Oh là là, mais là, on est sur une map de Mr. Beast, les gars. Il faut esquiver les lasers et je reçois 100 000 euros à la fin. Oh, je suis mort dès le début. Je suis une merguez. Je suis une merguez, les gars. Ok. Ah, mais c'est trop dur, les gars. J'arrive pas à savoir où sont les lasers. S'il vous plaît, il me faudrait un petit ascenseur. Est-ce que je peux aller là sur la petite ligne? Oh, oh, on a trouvé un glitch. Bon, je suis pas sûr que c'est vraiment un glitch. Let's go. Ok, on est là-dessus. J'ai l'impression que celui-là, il va plus vite. Vous savez quoi? On va prendre lui. Ok. Hop. Oh là là, mais c'est dur, les gars. Oh, mais c'est impossible. Vraiment, on dirait que c'est simple, mais pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un petit endroit, une petite ligne d'arrivée cachée, là? Aïe, aïe, aïe. Je like si tu m'offres le punch. Ah ouais, vous préférez que je vous fasse des... Ah, oh, des concours d'émotes que de gemmes? Je sais que souvent, je vous fais gagner des gemmes. Mais en soi, si vraiment je... Vous pouvez vous faire gagner des émotes aussi. Hein. Dites-moi ce que vous préférez. Non mais attendez, elle est impossible cette map-là. Va me faire péter un plomb. Elle est trop dure, il y a un laser, il vient en hauteur là. Je sais pas comment l'esquiver. Ok. Ok, oui. Oh, let's go. Ah non. Au pire, fais un sondage. Ouais, je peux le faire. Je peux le faire après. Oh là là. Elle est dure cette map, hein. Vraiment dur. En fait, je me dis à gauche, c'est peut-être plus simple. Parce que vous l'avez vu à un moment. Ah. Ok. Vous savez quoi? Je me laisse encore 3 vies. Si j'y arrive pas, eh ben, j'achèterai un skin. Je tournerai la roue. Parce que là, vraiment, c'est. Mais j'aurais bien voulu voir ce que c'est là, tous ces lasers là-bas devant. Et avant, j'avais presque réussi à la terminer. Je me dis pourquoi pas. Oh là là, oui! 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 Oui, incroyable. J'espère qu'il y a un checkpoint, hein. Oh, les gars, j'avais pas vu. Mais vraiment, ça me fait des illusions d'optique. Oh, je suis censé aller où? Les gars, il y a un A. Je suis censé aller là. Oh.
Oh là là. Ok. On avance doucement. Ah, il y a le laser. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ok. Un petit peu à droite. Si je perds, je dois acheter. Non. Oh, c'est bon, il y a un checkpoint. Heureusement, il y a un checkpoint. Si je meurs, les gars, je dois acheter un skin. Ok, on attend le laser. Hop là, le petit saut. Bon, ça va. Il a que mis un seul laser, c'est plutôt gentil de sa part. Tu vois qui a créé la map. Non, mais je meurs tout le long au même endroit. Ok, c'est ma dernière vie. C'est ma dernière vie. Hop, le petit saut. Me tryhard. Hop, le petit saut. Ok, c'est ici que je dois pas me rater. Et tout droit. Ah, il y a le laser. Oh non, ils m'ont tué. C'est bon, il y avait des pics à la fin. Allez, j'abandonne, j'ai perdu. J'assume. C'est bon, on va aller s'acheter un skin. Qu'est-ce qu'on a? On a cette petite roue rouge Shamrock. On a 1% de choper le Goldless McGruesome. J'espère vraiment que je vais pas brûler. S'il vous plaît, donnez-le moi rapidement. Allez. Non, je chope deux skins mythiques, mais c'est pas celui-là que je veux. Oui. On a eu de la chance là. Oh, magnifique. Aïe, 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 aïe. Alors là, là, on s'est mis bien. Ok, par contre, je pensais pas du tout que le skin allait ressembler à ça. Limite, j'ai failli penser que c'était pas lui. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste un petit laser. Map laser. Allez, c'est parti. On va se mettre 15 joueurs. Il y a certaines maps, faut pas qu'on soit trop... Non, j'ai lancé. J'ai oublié d'attendre les abonnés. Hop là. Je vous laisse rejoindre. Code 216-678. Le sondage, ok. Vas-y, je vais vous créer le sondage en attendant. Tu préfères concours? J'aime ou émote? Hop là. Et je vous dirai le résultat d'ici quelques minutes. Ok. Allez, on va voir ce que c'est cette petite map. Laser Dash. Hâte de voir ce que ça donne. Vous en pensez quoi pour l'instant, les gars, de ces petites maps créatif élimination? Dites-le moi aussi dans les commentaires et dans le chat. Franchement, ça m'intéresse. Attention, Laser Dash. Oh là là, attendez, ça a l'air sympa là. Ça ressemble à la map qu'on a faite avant, mais cette fois il y a des lasers. Donc là c'est du sérieux. Là c'est du sérieux. Après, je sais pas ce qui va se passer quand on va mourir, mais un truc qu'ils auraient pu faire qui aurait été sympa, c'était de si on meurt, genre tu peux plus jouer. Genre vraiment comme ça, c'est map élimination et pas que tu peux jouer à l'infini. Mais à tout moment je parle et c'est ce qu'ils ont fait sur cette map. J'aimerais bien envoyer un petit punch. Oh, oh attendez, je suis bien là. Oh, je suis bien. Après, je me dis, imagine tu restes tout le long là-dessus. Est-ce que tu peux vraiment perdre? Oh. Peut-être il y a un mur invisible. Non. Qui te tue à la fin. Bon, là, par contre, je meurs. Je suis mort 20 fois. Mais c'est quoi? On va tenter cette strat. Regardez. On va aller au fond du truc. Et comme ça, je peux... Ah, résister à l'infini. Ou par exemple, ici, hop. Je reste là, voilà, je bouge plus. Est-ce qu'on va mourir ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'arrive à terminer la map? Ok, non, c'est trop haut. Comment on pourrait la terminer? Mais par contre, ce laser dash est vraiment cool. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est très bien fait. Ok, on va aller terminer la map. À mon avis, si je reste ici, ça devrait le faire. Dès qu'il y en a un qui arrive, je lui envoie un punch. Bim! Ah! J'ai raté. Ah oui, après il y a encore les combats de boxe qu'on doit faire. Hein. Vous allez voir les gars. Ça je le sais, il y a des maps combats de boxe. Ok, je me suis raté. Les abonnés qui vont se qualifier à mon avis. Attention. Attention. Bon, je crois qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier. Allez, vous savez quoi? On laisse tomber, mais la map était vraiment cool en vrai. La map était sympathique. Ok, bon. Il nous reste plus beaucoup de maps. On a encore du bloc dash. On a encore du bloc dash. Donc on va bloc dasher encore un peu plus. Et après, on va aller faire le match de boxe. Vous savez quoi? On va mettre 32 joueurs là sur le bloc dash. Je veux que ça soit le bordel, les gars. Aïe, aïe, ça va partir dans tous les sens, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est des... Hey, ça se remplit vite par contre les parties. C'est vraiment à l'affût. En même temps, on est plus de 600 sur le live. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Au pire, pourquoi tu fais pas les deux? Tu dis les concours de gemmes et de emotes? Ouais, je peux faire moitié-moitié. Mais moi, franchement, je pensais toujours que vous préfériez les gemmes.
Parce qu'avec les gemmes, tu peux acheter du stumble pass, des skins, tu peux tourner des roues. Bref, t'as un petit peu tout. Alors que les émotes, pas forcément. Mais pour l'instant, je vous dis pas encore le résultat du sondage. Je vous dis après. Oh, oh, c'est quoi ça? Blog Dash. Oh, apparemment, cette map, elle a l'air trop trop bien. Franchement, ceux qui ont créé les maps, ils se sont chauffés. Hein. Oh, elle est bien, elle. Ok, pantre. Ah. Allez. Oh, je suis en train de galérer, là. En plus, on est contre 32 joueurs, donc comment vous dire que ça rigole pas? Par contre, le skin, c'est moi ou il est gigantesque? J'ai l'impression qu'il est vraiment énorme. Oh, let's go, j'ai trouvé un glitch. Oh, j'aurais dû mettre emote ballon, là. Je vous vois, tous ceux qui utilisent l'emote ballon. On va essayer de passer sur le côté. Oh, oh oui, c'est passé. Oh, je me suis pris une emote. Est-ce que je suis en train de tricher? Un petit peu. Mais bon, ah, il y en a des, ils utilisent l'emote ballon. Eh ben, moi, j'utilise les bords, hein. Ok, on avance plutôt pas mal. J'ai pas réussi à lui envoyer un punch. Ok. Je crois qu'on est. Pour l'instant, on est pas mal devant. Hein. Oh, par contre, la map est vraiment cool. Hein. Ah non, 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 non. Ok. J'ai posé ma petite émote au mieux. Allez. Oui. On a réussi à passer. Ok. Il y en a un devant nous, les gars. C'est notre adversaire. Le Negaton Smash Gloves. Je vais le fumer. Viens par là. Ah, c'est trop dur ici. Oh. Vraiment, c'est trop cheaté par contre de passer sur les bords. Ok. Non, il va arriver à la ligne d'arrivée. Ok. Oui. Allez, avance. Avance. Non. Ça va. Oh, il y a des bons checkpoints. Non, je crois que je l'ai vu à la ligne d'arrivée. À mon avis, il va se qualifier. Il va se qualifier. Je crois qu'il s'est caché derrière la ligne d'arrivée. Je l'ai vu. Je t'ai vu, mon frérot. Oh là là, par contre, cet obstacle a été vraiment dur. Hein. Ok. À tout moment, il me voit pas et je me qualifie. Hein. Allez, en pas entrer, elle est rageante cette map. Ok. Oh. Oh, le top 1, les gars, je crois qu'il est tombé en fait. J'ai cru que c'était caché, mais non. Le top 1 magnifique. Oh là là, c'était beau ça. Bon, allez, venez, on va se faire un petit match de boxe là. Je vais équiper par contre le skin. En vrai, il est sympathique, mais c'est pas le meilleur skin de Stumble Guys. Hein. C'est pas le meilleur skin. Et ouais, demain, grande vidéo qui va sortir. Si j'arrive à la terminer, je pense que ça va vous faire kiffer. Qu'est-ce qu'on met? Il me faut un boxeur. Ou alors un rugbyman. Oh ouais, là c'est sûr qu'on va faire un carnage. Ok. Alors j'ai deux maps de boxe. J'ai le match de boxe et le match de boxe VIP. C'est quoi? On va d'abord commencer match de boxe normal avec... Ouais, vas-y, on met 32 joueurs. On met 32 joueurs, comme ça va être le gros bordel. Hâte de voir ça. Allez, je vous laisse tous rejoindre. Et rejoignez surtout si vous avez les bots de punch. Hein. À mon avis, il va falloir se mettre sur la tronche. Comment on a le pseudo en bleu? Si tu dis le pseudo en bleu comme moi, c'est si tu es créateur de contenu Stumble Guys. Et comme Raoul, bah la même chose. La même chose, la même chose. Ok, c'est bon. 32 joueurs. C'est quand que tu fais une vidéo Brawl Stars? Ça fait longtemps. Frérot, il y en a une qui est sortie aujourd'hui, une vidéo Brawl Stars. Hein. Je pense que tu l'as raté, mais aujourd'hui j'ai sorti une petite vidéo Brawl Stars. En plus, je la trouve vachement bien, donc allez vous régaler dessus après. Allez, j'ai mis quoi là? J'ai mis match de boxe. Oïe, oïe, oïe. Qu'est-ce que ça va donner? Attention. La map qui va tomber. Non, il y a eu un problème, je sais pas pourquoi je le sentais arriver. Ok, on va réessayer avec un petit peu moins de joueurs. Et on se gardera les 32 joueurs pour le match de boxe VIP de l'extrême. Allez, hop, j'invite les amis. On invite le petit Yuji. Non, Yuji il est pas là. Malheureusement. Ok, c'est bon, 14 joueurs. C'est quand la nouvelle mise à jour? Elle sort, je pense, dans une semaine. Mais il y a déjà la bêta de Stumble Guys qui est sortie. C'est-à-dire que vous pouvez déjà tester la mise à jour, mais sur un compte bêta. D'ailleurs, on va faire une petite vidéo ce soir. Ceux qui voudront participer à la vidéo, rejoignez mon serveur Discord. Oh, c'est le match de boxe, Boxing Arena. Oh, oh les gars, ok. Le match de boxe, c'est une fois où vous faites sortir du ring. Essayez de pas revenir. Comme ça, vraiment, c'est le match de boxe. Allez, on s'envoie des gros punch. Oh là là, regardez, dès que vous arrivez dans, sur le bord, vous faites éjecter de la map. Eh, franchement, elle est trop bien. Mais imaginez ça avec 32 joueurs après. Oh, ça va être drôle. Oh, j'ai failli me faire sortir. Ah ouais, faut envoyer des punch BR. Non, les gars, laissez-moi tranquille. Punch BR. Oh là là, elle est rigolote cette map. Oh, c'est bon.
Poisson. Non. Non. Oh là là. Je sais pas si c'est simple à se faire sortir de la map ou si ça passe. Oh, j'ai raté un punch. Mais on l'a vu dès le début. Oh, regardez, il y en a un, il est dehors de la map là. Il y en a un qui vient de se faire sortir. Allez, on le pousse lui. Oui. Non. J'en ai éliminé un. Mais après, je me suis fait sortir. Eh, franchement, la map est trop trop bien faite. Et vous avez vu, une fois que vous faites sortir, vous pouvez plus revenir. Je vais essayer d'envoyer une émote. Oui, il m'en envoie un éclair. Attendez, on va tester ça avec 32 joueurs, mais sur le match de boxe VIP. Oh là là. J'espère que c'est le même système qu'on peut pas respawn dans le ring. Franchement, c'est trop bien. Je crois que c'est la meilleure map qu'on a faite jusqu'à maintenant, non? Allez, mettez tous des émotes punch. Mettez tous vos émotes punch. Et après, il nous reste plus que pas beaucoup de maps. Hop, je vous laisse rejoindre. Ok, let's go, 32 joueurs. Là, les gars, c'est le match de boxe de l'extrême. Et ta chaîne secondaire. Eh, tu fais bien d'en parler parce que je vais essayer de reprendre les vidéos et même peut-être des lives sur la chaîne secondaire. Mais niveau temps, c'est toujours très très chaud. Donc je vais faire de mon mieux, mais ça sera clairement pas du daily upload. Mais de base, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose. Mais je suis en train de voir est-ce que j'aurai le temps ou pas. Mais je vais essayer. HD Boxing. Pour ceux qui ne savent pas, ma chaîne secondaire, Kefko 2.0, Kefko Roblox, je l'ai renommé. Parce qu'on va faire full Roblox dessus. Donc si vous aimez bien le jeu, abonnez-vous. Et c'est en description aussi. Ok, pente, je... Ok, là c'est le match de boxe de l'extrême. Pour l'instant, je comprends pas trop la map. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, il est là, le ring de boxe. Il est là. Ah, oh, j'arrive. Oh là là. Ah ouais, mais attendez, là, c'est vraiment... Non, attendez. J'ai même pas réussi à monter dessus. Mais là, le ring, je crois que c'est vraiment un ring de l'extrême. Hein. Vous l'avez vu, il y a plusieurs petits... Non, mais les gars, c'est pas ici, le ring de boxe. Attendez. Mais je crois que la première map était presque meilleure. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, c'est là, j'arrive même pas à monter dessus. Après, c'est clair que c'est plus extrême. Hein. Ok. Let's go. Ah, il faut retourner en arrière. Ah, c'est pas mal, ça. Une fois que vous êtes éliminé, faut faire un petit chemin pour faire... Ah non, on peut se qualifier. Bon. J'ai rien compris à la map. Vous savez quoi? On va repartir sur la première plutôt. Elle était plus rigolote. Mais avec 32 joueurs. Comme ça, on va s'éclater la tronche. Comment avoir la version bêta? Il me semble que c'est sur... Steam dans propriété ou sur iPhone ou Android, je t'avoue, je sais pas comment ça marche. Mais il y a sûrement des tutos. Il y a sûrement des tutos. C'est-à-dire, on va refaire le match de boxe, mais avec 32 joueurs. Parce que celle-là, du coup, une fois que t'es éliminé, tu peux plus revenir, c'est plus marrant. Allez, allez, je vous laisse rejoindre. Oh là là, ça se remplit à une vitesse, les gars. Et ouais. Si vous aimez bien Roblox, abonnez-vous à la chaîne secondaire Kefko Roblox. Je pense que je vais tenter quand même de faire un petit live aujourd'hui, probablement. J'hésite à faire un live sur Doors. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu d'horreur. Mais bon, j'ai pas trop le courage en vrai. Allez, c'est parti, par contre, cette fois, le match de boxe de l'extrême. Mais cette fois-ci, vraiment, 32 joueurs. Non, on peut pas le lancer à 32 joueurs. Bon, vous savez quoi? On réessayera à la fin. Pour l'instant, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais on va réessayer à la fin du live. Alors là, on a la petite map UFO OMG. Faut savoir que je suis déjà très très nul sur cette map à la base. Donc là, une map créative, je sais pas si ça va être beaucoup mieux. Hein. C'était trop bien la vidéo à Barcelone avec Yuji et Graphics. Ouais, j'ai vu Yuji a sorti son petit vlog. Trop trop cool. Franchement, j'ai déjà regardé la vidéo. Vraiment sympa. Et moi du coup, bon, là je vous spoil un petit peu, mais c'est bon, on est entre nous. Du coup moi demain, il y aura le petit vlog de notre voyage chez Stumble Guys qui va sortir sur ma chaîne. Faut juste que je fasse encore tout le montage ce soir. Je pense ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Mais j'ai hâte. À mon avis, Yuji a filmé quelques trucs. Mais je pense que ma vidéo sera encore plus longue. Sera plus longue parce que lui, elle dure je crois 14 minutes. Il a pas mal condensé. Oh, on est à l'envers, les gars. Oh, par contre, tous les polygon gay. Mais attendez, c'est... Ah oui, c'est UFO OMG, les gars. Pour ceux qui voient quelle map c'est. Oh, ça descend. En vrai, c'est bien fait, hein. Ça ressemble de fou. Oh. Ah ouais, par contre, là, je me suis fait dégommer dès le début. Franchement, elle ressemble vraiment bien, la map. Il s'est chauffé, le mec, hein. Regardez, même ici, il y a les petits blocs.
Essaye d'envoyer un punch. J'ai envie de punch des gens là. On peut aller sur les tribunes aussi. Ah non, on peut pas y aller. Ok, c'est de la décoration. Non, franchement, la map est très bien faite. Après, je vous avoue, c'est pas autant fun qu'un match de boxe ou qu'un bloc dash. Déjà avec la map de base. Voilà, je suis pas non plus ultra fan. Voilà, c'est pas beaucoup mieux. Mais au moins, on aura vu la map. Franchement, elle est sympa. 6 sur 10, je dirais. Bon, il nous reste plus que 3 maps, les gars. Plus que 3 maps. 2 maps. 2 maps. On a un petit laser dash encore. Bim. On va voir s'il est mieux que le laser dash qu'on a eu au début. Demain, live Brawl Star. Ouais, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. J'essaie de faire plus des live Brawl Star et des vidéos Stumble Guys que l'inverse. Allez, c'est parti. C'est parti. Laser Dash, là. Petitement, on en a déjà eu une, voire deux, je crois. On va voir s'il est mieux. Et après, on terminera avec un bloc dash et le max et le match de boxe. C'était bien Scopelli. Les gars, je vais pas vous spoil, mais oui, franchement, le voyage était trop bien. Il était trop, trop bien. Allez, c'est parti. Laser Dash 2.0. Ah oui, allez. Petit Laser Dash. Après, c'est vrai qu'en soi, Laser Dash, c'est assez petit. Non, en vrai, c'est assez bien fait. C'est assez bien fait, mais je pense que les maps qu'on a vues avant, elles étaient meilleures. Mais très sympathique. Il s'est quand même chauffé à faire la map, hein. Rien que de mettre tous les petits carrés qu'on voit au sol, là. Ok, bon, il y en a un qui s'est qualifié, de toute façon, c'est pas grave. C'était... Oh, petit floss du polygone. Franchement, ce skin est incroyable. Je suis un petit peu dégoûté, je l'ai pas. Malheureusement, j'ai pas ce skin parce qu'il faut le farmer dans les événements. Je sais pas si vous pouvez toujours l'avoir. Mais là, dans événements... Non, dans tournoi. Et là, vous pouvez obtenir Polygon Guy. Allez, franchement, si vous avez du temps pour jouer à Stumble Guys, c'est vraiment THE événement à farmer, hein. Ok, on part sur la dernière map. Block Dash. C'est parti. Dernière petite map. Mais franchement, on aura eu des maps vraiment très très cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être Masterclass, là. Allez, c'est parti. Kefko, t'as oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le sondage. Je sais pas si c'était ça que j'avais oublié. Mais le sondage... j'avais demandé, est-ce que vous préférez que je vous fasse gagner des gemmes ou alors des émotes? Et on a 66% qui préfèrent des gemmes. Bon, ça va. En soi, je me disais bien que vous préfériez les gemmes. Merci beaucoup, Ira, pour les 2€ YoBG. Merci, mec. Et on est parti. Oh, attendez, attendez, attendez. Non. On est tous morts. On est tous morts. Salut, salut, gros pigeon. Hello. Et là, du coup, on est sur une sorte de bloc dash. J'ai l'impression que c'est le même créateur que le laser, laser dash qu'on vient de faire avant. Oh, j'ai mis une virgule. Incroyable. Bon, franchement, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était vraiment cool. N'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, surtout le code créateur Kefko dans la boutique. Vraiment, allez tous le mettre maintenant. Même si vous ne faites pas d'achat, vous aurez la possibilité de gagner des gemmes gratuitement. Donc je fais gagner 5000 gemmes à chaque vidéo Stumble Guys à une personne aléatoire qui utilise mon code créateur Kefko, en tout cas qui l'a dans la boutique. Mais surtout ouais, si vous faites des achats, ça fait encore plus plaisir, ça me soutient. Et ouais, vraiment, mettez-le, merci à tous ceux qui le font. Le live était beaucoup trop bien, régale-toi avec mes autres vidéos. Et moi BG, je te souhaite une bonne journée, allez ciao.